Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo qui va vous parler de bornes d'arcade Nintendo, mais des bornes d'arcade avec des jeunesses et qui ne marchent pas au crédit, mais au temps. Voilà, il y a un petit moment de ça, je vous avais montré des machines de Sega qui faisaient pareil avec des jeux 16 bits, des jeux style Sega Mega Drive. C'était la Mega Play. Et dans les commentaires, on m'avait parlé de la machine de Nintendo, donc il y a eu plusieurs modèles. Là, vous en voyez une, c'est la Play Choice 10, je ne sais pas si c'est le modèle de luxe. Mais regardez bien la photo, parce que vous avez la machine. Vous avez deux écrans. L'écran d'en bas, c'est pour le jeu. L'écran d'en haut, c'est pour le compteur de temps, le mode d'emploi et les informations. Celle-ci a la particularité d'avoir des sticks avec les boutons, mais aussi des joypads. Voilà, beaucoup de gens jouent avec des joypads. Moi, j'ai surtout beaucoup joué avec des joypads. Et vous avez aussi, regardez, le phaser. Alors là, on a le phaser qu'on connaît, nous. Et normalement, il doit y avoir, je pense, une petite chaînette pour attacher, hein, parce que j'ai vu des modèles avec des pistolets. Sinon, là, bah, le mec, il partait avec le phaser. Et après, il arrivait chez lui, il avait le phaser. Je veux dire, ouais, c'est celui de Tanglung. Il est vraiment nickel. Le même qu'on voyait là en photo. Donc, à la toute revue de la machine, je vous disais, l'écran duo, alors regardez en haut, ils vont mettre quelques petites affiches pour les jeux du moment. Apparemment, c'était Punch-Out, Super Mario 2, Contra. Celle-ci, c'est la machine des 30 ans, 30e anniversaire édition. L'écran duo, je vous l'ai dit, où vous aviez la sélection des jeux. Jusqu'à 10 jeux. Le timer. Voilà, parce que j'achetais du temps de jeu. Et pas des crédits. Ici, le bas de la machine où on voit le pistolet, enfin le pistolet, le phaser. J'ai trop zoomé. Alors, combien c'était? On voit pas combien c'était le tarif. Vous mettiez les sous ici, et puis vous pouvez jouer à des jeux. Donc, si vous jouez à Dunk Hunt, ben, vous preniez le phaser. Ce que je vous avais dit, le truc assez original, c'est qu'on a le player 1 et le player 2. Et soit des contrôles ici, soit le joypad. Du coup, je sais pas, c'était quand même pratique, parce que si vous rapprochez trop de la machine. Voilà, ça a l'air d'être souple et pliant, un peu comme sur certaines machines de démonstration, mais bon. Je sais pas ce que c'était niveau solidité. Alors ici, j'ai trouvé une petite affiche, donc la Play Choice 10 dans un cabinet Goliath. Voilà. 10 jeux dans une seule borne. Pratique, économique. Là, vous voyez que vous avez le pistolet qui est orange, qui ressemble à un pistolet, un vrai, ce qui n'est plus tellement autorisé aujourd'hui. Le cordon et puis une petite chaînette hein, pour éviter qu'on vous le chourave. Pas de joypad, que des sticks. Stick et bouton. L'écran du bas. L'écran du haut avec le mode d'emploi. Vous voyez les jeux qui étaient disponibles à ce moment-là. Super Mario Bros. Il y a quoi? Mario Bros. Forcément, il y a les deux. Metroid, Castlevania, Lunar Ball, The Goonies. Et puis là, regardez le dessin. Ben forcément, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils nous ont mis surtout alors le chien de Duck Hunt. Et Mario, hein, quand même. La moto, le jeu de baseball. Ça, je sais plus ce que c'était comme jeu. Ça, c'est le jeu des ballons. Balloon Fight. Ici, on a une vue d'une autre Play Choice 10. Donc, vous voyez qu'on a les haut-parleurs ici. Celle-ci est anglaise, donc c'était un Eve Sterling pour 4 parties. Apparemment, c'était 10 minutes de jeu. Donc, je pense que ça doit marcher avec 2 minutes. 2 minutes 50 ou 5 minutes. Donc, là, c'est Contra. Vous voyez qu'ici, vous avez le mode d'emploi de Contra, le timer, l'écran de jeu, les sticks. La personne nous explique que voilà, elle mettait une livre sterling et qu'elle pouvait jouer 15 minutes. Voilà, une seule pièce de une livre sterling vous procurez 10 à 15 minutes de jeu. Là, vous voyez la machine. Alors, je vois pas le pistolet, donc soit c'était en option, soit c'était pas sur certaines machines. C'était peut-être pas le jeu le plus captivant. Là, vous avez la vue de côté. À l'intérieur, comment ça marche? Ben voilà, vous avez en fait 10 ports cartouches. On va plutôt appeler ça des PCB. Et vous avez des PCB qui sont tout en longueur. Contrairement aux cartouches NES, qui sont assez en hauteur, hein, les cartouches grises. Là, voilà, c'était des longs PCB. Vous voyez, assez longs, ils pouvaient en mettre jusqu'à 10. Donc, j'ai trouvé aussi d'autres photos. Ici, vous avez la photo, la Play Choice 10. Vous voyez, il y en avait avec un petit écran, deux écrans pour de la même taille. Ici, il y a les revolvers. Ce modèle plus sobre, je trouve, noir. Nintendo of America. Les jeux qui pouvaient être proposés, les jeux de l'époque. Et celle-ci qui est sympa, c'est le countertop que vous posez sur un comptoir. Il a l'air petite, mais vous verrez que non, parce qu'après on ira voir une vidéo de Guise. Voilà, notre ami québécois, qui en a une. Et celle-ci, vous voyez, le timer était en dessus, juste ici. Le monnayeur, l'écran pour les jeux. Et des tout petits sticks, hein. Voilà, là les sticks sont vraiment minuscules. En plus j'aime bien, parce que le quadrillage moi, me fait penser aux cartouches de jeux Master System. Pour une Nintendo, avoir un truc avec un quadrillage gris sur un fond blanc, c'est assez original, je trouve. Donc là, on a une vidéo où on voit une machine, c'est une chaîne YouTube reliée à un site de vente de bandes d'arcade.
Oui, la machine celle-ci n'a qu'un écran, hein, c'est plus économique. Le compteur est là-haut, ici, vous avez le timer. Et puis là, voilà, vous avez la liste des jeux, le mode d'emploi qui s'affiche. Donc là, vous voyez, il pouvait choisir un jeu, alors apparemment, il n'y a que 5 PCB dedans. Il mettait les sous, puis après, vous jouiez un certain temps. Voilà, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Ici, par exemple, vous voyez, ben, c'est Mario, hein. Super Mario Bros. Qui est là quand même plus coloré, ou alors c'est mes yeux qui font ça, je sais pas. Quoique cela a toujours été assez coloré quand même. Alors ici, j'ai trouvé aussi une autre personne qui avait fait une page dessus. Voilà, il a acheté une bande qui est quand même assez abîmée. Vous voyez, donc il n'y a pas de connectique pour le pistolet. Deux écrans, comme celle qu'on a vu tout à l'heure. Là, il a mis le jeu de golf. À l'intérieur, l'écran, alors je sais pas si c'est connu, c'est un Antarex MTC 9000. Après, vous allez voir, il y a des trucs, voilà, il y a des composants qui ont pris chaud. Hein. Là, je sais pas s'il a explosé ou s'il a oxydé, mais il a l'air d'avoir gonflé le condensateur. Les haut-parleurs. Les deep switch, on peut peut-être régler la difficulté, je sais pas. Peut-être par rapport au crédit et le temps. La carte mère, encore une fois, vous voyez, avec les PCB des jeux que vous mettiez dessus. Voilà, puis l'intérieur du cabinet, un petit ventilateur qui a l'air assez récent pour refroidir tout ça. Les connectiques. Et bien sûr, le jeu. Là, là, c'est notre vue de la carte mère. Et ça, je sais pas du tout ce que c'est, la carte fille, apparemment. Pour réinitialiser le menu. Donc, en farfouillant sur Internet, j'ai trouvé un flyer qui était destiné aux commerçants français. Regardez, la PlayChoice 10, déjà plus de 50 jeux au choix à ce jour. Entre autres, tennis, golf, oh, 1942, Super Mario Bros, Double Dragon, quand même. 10 jeux dans l'encombrement d'un seul, vous avez la borne. 1m72, 75 cm de profondeur, 55 cm de large. C'était distribué par le groupe Amiro et ici par Covara qui était à Toulon. Ma ville de naissance. C'est l'époque où on avait des 6 chiffres plus indicatifs. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Des revenus stables grâce au changement judicieux des jeux. L'avancée technologique, un moniteur de 51 cm pour le jeu. Un moniteur de 20 cm pour les règles du jeu. Un monnayeur électronique en série. Accepte les nouvelles pièces de 10 francs. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par de nouvelles pièces de 10 francs. Moi j'ai connu la pièce cuivrée. Et après il y a eu la pièce qui ressemblait à notre pièce d'un euro, mais je pense pas que ça est sorti si tôt. Instruction de jeu en français, bien sûr. Et au dos de la plaquette, il nous explique que Nintendo, à l'époque, 22 millions de consoles vendues dans le monde entier. Nintendo contrôle 70% du marché américain. Je comprends pourquoi vous êtes tous très branchés Nintendo. En 88, Nintendo Japon pense multiplier par deux ses exportations, donc voilà, ça date de 88. PlayStation, trop court, trop long. Non, on ne parle pas d'une partie de mon anatomie, on parle des jeux. Parce que c'est le problème des jeux d'arcade, des fois vous frustrez les joueurs, vous arrivez quand vous étiez nul, vous perdiez 3 vies, c'était fini, il fallait remettre une pièce. Donc ils disent, la durée de la partie est un problème majeur. Les très bons joueurs vont vous bloquer une machine pendant 20 à 30 minutes, c'est quand vous attendez derrière comme un couillon, et le mec veut pas se pousser. Et les joueurs qui sont comme moi assez nuls sont éliminés très rapidement. Puis ils jouent plus parce que voilà, ils ont fait dans une partie et ils ont perdu 3 vies en 2 minutes. La solution, vendre du temps. Bon ou mauvais joueur, tous les joueurs en auront pour leur argent. Celui qui squatte la machine devra mettre plus de pièces pour agrandir le compteur de temps. Celui qui est nul, et ben c'est pas grave, il a 5 minutes, il meurt 50 fois et il joue 5 minutes. Voilà, alors qu'avant, quand c'était nul, vous l'avez vu moi, même sur un Super Mario classique, hein, je suis pas terrible, je perds vite des vies, donc voilà, on arrive vite au game over. Et il fallait remettre une pièce. Là, c'est pas grave, vous pourrez mourir 10 fois. Ce qui compte, c'est le temps. Et comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Le groupe Amiro, un nouveau concept pour des nouveaux joueurs, PlayChoice 10. Voilà, ils sont aperçus que ça attirait des joueurs qui jusque-là n'allaient pas dans les bornes d'arcade classiques. PlayChoice 10 attire de nouveaux joueurs, augmente le potentiel de recettes de vos places. Money is money. Et vous voyez qu'à l'époque, c'est distribué par différentes personnes. Amiro à Besançon, Covara à Toulon, Discomatic à Colmar, Marquis à Lille, Sommevi, TGT, voilà. Pas mal de distributeurs. Donc on va revenir sur la machine là, le countertop. Parce que je vous dis, il y a une vidéo de Guys. Guys, bricoler, c'est sérieux. Voilà, regardez, aïe aïe la belle province. Donc là, vous avez le compteur de temps qui défile, hein, il est à 126 secondes. Et vous allez voir, vous voyez, enfin, que la machine est assez grosse par lui. Par contre, les sticks sont vraiment minuscules. Regardez la taille des sticks. Vous voyez, il faut le tenir du bout des doigts. Là, j'ai mis la pause.
Toujours le compteur de temps qui défile, hein, 94 secondes. Mais la machine est quand même assez impressionnante, je trouve. Je vais remettre en lecture. Alors, regardez la taille. J'en voyais plus petite, moi. Moi, ce qui est pas de partir avec sous le bras. Hein. Et ici, guys, nous montre les fameux PCB, voilà. Donc, pour y en mettre 10 sur la carte mère. C'est la carte mère. Et vous les embrochiez dedans. Alors, j'ai vu qu'il arrivait à mettre une cartouche, mais je pense qu'il y a l'adaptateur pour les incliner. Voilà, regardez, c'est vraiment tout petit. Et vous aviez comme ça 10 jeunesses dedans. Alors j'ai regardé un petit peu sur eBay, j'ai pas vu la machine, par contre les jeux, si vous prenez le Mario Bros 3, 500$ en boîte. Voilà, Super Mario Bros 3. Enfin Super Mario Bros 3. Vous avez la photo de l'écran, le jeu. Et regardez, comment c'est comme ça en fait. C'est une cartouche tout en longueur, un PCB tout en longueur. Et malgré le fait que ça soit d'époque, il y avait quand même derrière, vous voyez, des petits câbles avec, je sais pas ce que c'est ces petites choses-là. Des petits fils, des micro-soudures. Voilà, on dirait des pontages. Mais ouais, ça coûte 500$ et vous avez une cartouche moins chère. C'est celle-ci. Voilà, Ninja Gaiden à 200$, hein, sans boîte. Mais on voit un petit peu comment ça ressemble. Donc c'est date de 88. Ninja Gaiden. Vous voyez la forme assez originale, je trouve, du PCB. Derrière, encore un petit pontage. L'épine pour la mettre dedans. Et là, une vue. Alors là, prendre la photo, elle est toute jaune. Donc voilà, je regarde un petit peu sur eBay, mais pour ceux qui ont la chance d'avoir ces machines, les cartouches sont pas forcément données. Hein. Enfin, je dis cartouche. On va dire PCB. Vous voyez, Balloon Fight, 280$. Nintendo Golf, 5... bon, et moins cher, celui-là, 54$. 31 de frais de port. Donc j'ai regardé un petit peu, il y avait pas mal de jeux, hein. Là vous avez une machine, et puis vous voyez un peu la liste des jeux. Voilà, Duncan, Texas Bike, Mario Bros, Kung Fu, Goonies, Gradius quand même, hein, pour avoir un peu de choses de map en arcade. Il y a quoi, Rigar, les Tortues Ninja, pour la petite Christelle. Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu, je sais que je vous l'ai dit quand j'ai fait la vidéo sur la borne Mega Drive. Il y avait des personnes qui m'avaient dit qu'ils avaient la machine, qu'ils connaissaient, et qu'il y avait celle-là qui existait, donc j'ai dit tiens, je vais faire une petite vidéo dessus. Sinon après on va dire que je ne suis pas impartial. Je trouve ça assez original. Le côté de jouer avec du temps, c'est bien pour les gens qui sont nuls. Les gens qui sont bons, bah, c'est con, parce que voilà, pour finir Super Mario Bros, ça prend quand même du temps. Hein. J'ai vu, il y avait la vie de Spyro récemment. Alors, c'est sur la Super Nintendo, mais ça prend du temps. D'ailleurs, je sais pas s'il y a eu une bande d'arcade Super Nintendo, j'ai pas l'impression. Voilà, celle de Sega, c'était sur des jeux Mega Drive. Celle de Nintendo, c'était sur des jeunesses. Après, de toute façon, ils ont arrêté, il me semble, de faire des machines d'arcade. Ils sont concentrés sur les machines de salon. Et si vous avez des informations, des photos, n'hésitez pas à me les envoyer. Je les mettrai sur Twitter et Facebook. Et je vous dis, n'hésitez pas à les dire sous le commentaire, sur la description de la vidéo, dans l'espace commentaire. Ben, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos avis, vos questions. Un petit pouce si ça vous a plu. Et puis moi, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde !